Quel rêve étrange. Les cartes. Je dois les retrouver. Dépêche-toi, chérie. Le petit déjeuner t'attend. J'arrive, papa. Bonjour, je m'appelle Sakura. J'ai 12 ans et je vais au collège Tomoeda. Ah. En cours, ce que j'aime, c'est la musique et le sport. Mais par pitié, évitez de me parler de maths. Bon, on arrête de parler de moi. Enfin, pour l'instant. Je vais vous présenter ma famille. Salut, vous deux. Oh. Mmh. Tu es obligée de piétiner comme ça. Piétiner, je piétinais pas. Ah oui, j'ai cru qu'il y allait avoir un tremblement de terre. Je ne faisais que marcher, je te signale. Eh bien, tu fais pas dans la discrétion. On aurait dit le tyrannosaure dans Jurassic Park. Tu sais ce qu'il te dit, le tyrannosaure? Ce grand escogriffe, c'est mon frère, Thomas. Il est en terminale et il pense que ça lui donne tous les droits. Entre autres, celui de jouer avec mes nerfs, ce qu'il fait à longueur de journée. Et qui semble lui procurer beaucoup de satisfaction. Un de ces jours, je lui ferai payer. Un de ces jours, je le... Alors les enfants, ça discute ferme ce matin? Et voici Dominique, c'est mon papa à moi. Il enseigne l'archéologie à l'université. Il sait tout faire, même la cuisine. C'est le meilleur. Tiens. Merci grand chef. Je sens que je vais me régaler. Voilà, vous connaissez ma famille. Je sais ce que vous pensez. Et non, je n'ai pas oublié de vous parler de maman. La pauvre est morte, j'avais tout juste 3 ans. Et même si je pense sans cesse à elle, je ne suis pas malheureuse. Mon père est là, et sans oublier ce crétin de Thomas. Alors, c'est bon? Oui. Il faut que je file. Où est-ce que tu vas? J'ai un entraînement de foot. Tiens ton déjeuner. À plus tard. Mais attends-moi! Je le papa, j'ai tout fini. Tu es sûr que ça ira? Tiens, n'oublie pas ça. À tout à l'heure. Dépêche-toi si tu veux rattraper ton frère. Oh. Et bonne journée, chérie. Merci à toi aussi, papa. Sois prudente. Il va falloir foncer, ma grande. Je me demande pourquoi tu tiens tant à m'accompagner. Oh, pour rien. S'il savait, en fait, c'est pas lui que je veux accompagner. Hé, hey, Mathieu. Hé, oh. Hey, salut vous deux. Ça va? Pas mal, merci. Eh bien, Sakura, tu es drôlement matinale aujourd'hui. Oui. Pour embêter son monde, elle est toujours la première. Ah oh En tout cas, tu as l'air en pleine forme. Je vous présente Mathieu. Il est dans la même classe que mon frère. C'est son meilleur ami. À se demander pourquoi d'ailleurs. Ils n'ont rien en commun. Lui, il est toujours gentil avec moi. Et il est tellement mignon. Ça y est, on est arrivé. C'était vraiment trop court. Tiens, attrape. Oh. Oh. Merci, Mathieu. Dis donc, t'en as de la veine. Ah, ah, Tiffany,
Un garçon qui t'offre des bonbons, ça cache sûrement quelque chose. Oh, ça va, t'as passé une bonne soirée? Oh, moi ça va, et toi, il suffit de te regarder. Et voici mon amie Tiffany. On est copines depuis le jardin d'enfants. Elle est drôlement intelligente. Et son père est à la tête d'une multinationale. Si tu t'étais vue tout à l'heure, c'était vraiment trop mignon. Quoi? Toi avec ton bonbon à la main et ce regard amoureux perdu dans le vague. Ça se voyait vraiment en tant que ça? Dommage que j'ai pas eu ma caméra pour immortaliser tout ça. Oh, bah c'est pas plus mal. J'ai oublié de vous dire que Tiffany était une dingue de vidéo. Et que je suis son modèle préféré. Devine quoi? Je me suis payé le tout dernier modèle de caméscope. Je pourrais te filmer pour l'essayer. Bah oui, mais pourquoi tu ne changerais pas un peu de modèle pour une fois? Parce que ça serait bête de pas profiter du fait que ma meilleure amie est la plus jolie fille de l'école. Avec toi comme vedette, je vais finir par décrocher un Oscar. La 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 la. Je sais ce que vous pensez. Cette fille a besoin d'aide. Dans l'ancien temps, la vie de tous les jours était plus rude que maintenant. Les gens devaient travailler de l'aube au crépuscule. Et les enfants n'étaient pas épargnés. Dès le plus jeune âge, ils aidaient aussi. Il était vraiment bizarre le rêve que j'ai fait cette nuit. C'est drôlement joli ce que t'as dessiné. Qu'est-ce que c'est? Ça? Sakura, continue la lecture. Oui, madame. Tu sais où on en est? Ligne 24, en bas de la page. Lorsque toute la famille travaillait ensemble, la vie était plus facile pour tous. Bravo, Sakura! Bravo, elle est vraiment trop forte! Oui, elle est incroyable! Bravo, c'était parfaitement exécuté, Sakura. Bien, maintenant, on va passer à autre chose. Allez toutes chercher vos bâtons de majorette, on va s'entraîner. Oui, madame! Je n'arrive pas à m'enlever ce rêve de la tête. Je devrais peut-être en parler à Tiffany. Oh! 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 Qu'est-ce qui lui prend? Personne ne manie le bâton aussi bien qu'elle. L'ennui, c'est qu'elle est parfois trop tête en l'air. Je suis à la maison. Qu'est-ce que... Serai de retour vers 9h, papa. Bon, eh bien, il faudra se débrouiller toute seule. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je serais pas fâchée que Thomas soit là pour une fois. Sakura, chasseuse de cartes. Ça vient de la bibliothèque de papa. Qu'est-ce que je fais? Et si c'était un voleur? Je vais aller jeter un œil. Et s'il y a quelqu'un, j'appelle la police.
Le livre de Klo. Pourquoi ça brille comme ça? Drôle de carte. Windy. 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 Que bizarre cette carte. Oh. Ah. 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 Salut, ça boum les gars. Qu'est-ce que... Merci de m'avoir réveillée, jeune demoiselle. C'est très gentil à vous. Mais de rien. Oh, vous pouvez pas savoir ce que je suis contente d'être enfin sortie de ce livre. Je me voyais déjà enfermée là-dedans pour l'éternité. Hey, qu'est-ce que t'es, un écureuil? Une espèce de souris volante? Lâchez-moi tout de suite. Mais vous me prenez pour un jouet ou quoi? Sachez que je suis Kérobero, gardien du sceau sacré du livre de Klo. Vraiment? Tu es un gardien? Oui, et c'est mon devoir de protéger les cartes sacrées contenues dans le livre. Regardez. Hein? Où sont mes cartes? Oh, elles sont pas là! Oh non, mais alors ça, c'est la catastrophe! Tiens, gardien. Hein? Oh, mes cartes précieuses! Oh Dieu, merci, elles sont là, je suis sauvée! Alors, où sont les autres? Eh bien, quand j'ai prononcé le nom de Windy... Oui? Un grand vent s'est tout à coup mis à souffler. Oui, oui. Et toutes les cartes se sont envolées. Non, sans rire! Je t'ai dit envolées! Ça y est, j'ai fini. Et où tu vas avec ça? Je vais déguster mon dessert dans ma chambre. Bon, alors? Ah, c'est terrible. Je sais pas du tout où sont passés.